locaux attendus et espérés depuis plusieurs années, ce qui va considérablement changer leur façon de travailler. Car avant, les permanences du planning familial se faisaient par téléphone ou de façon itinérante, les équipes devaient constamment se déplacer. Se déplacer de commune en commune, avec nos petites affaires dans nos voitures. Et on faisait essentiellement de la formation, des groupes de parole dans les maisons de quartier, auprès d'associations. Il y avait le bouche à oreille qui fonctionnait, mais bon, quand on a une plaque où c'est marqué planning familial 973, on est visualisé. Et pour les jeunes, c'est important parce que ça va leur permettre d'avoir un lieu où ils vont pouvoir venir, pouvoir être écoutés, parce qu'on est un établissement d'information, donc on va pouvoir recevoir en accueil individuel, chose qu'on ne pouvait pas faire jusqu'à présent. Le planning familial a un rôle d'information et d'accompagnement dans le domaine de la sexualité. Leur mission, informer, conseiller autour de la contraception, des infections sexuellement transmissibles, mais également la prévention des violences. Un travail en réseau, car le planning familial au niveau national, c'est 70 associations départementales, dont celle de Cayenne. Cayenne n'est pas toute seule et que nous avons, c'est vraiment un réseau qui travaille ensemble. On se voit plusieurs fois dans l'année pour travailler sur la santé sexuelle, pour se former sur les dernières avancées en matière de contraception, d'avortement, de violences faites aux femmes, sur le handicap aussi. Et avec toutes ces formations que nous avons en interne, nous soutenons l'association guyanaise. Le planning familial de Cayenne forme des jeunes ambassadeurs pour qu'ils soient relais dans leur établissement scolaire. C'est le cas d'Akeni, 18 ans, qui par la suite est resté dans l'association en devenant bénévole. L'une des particularités de la Guyane, plus de 50% des jeunes sont en âge de procréer, contrairement à d'autres départements plus vieillissants. On parle beaucoup plus de la maladie sexuellement transmissible SIDA. Or qu'il y a beaucoup plus de maladies qu'on n'entend pas parler, mais qui sont encore plus compliquées à gérer niveau médicalement en Guyane comparé à le sida. En plus, ça a baissé le taux de personnes qui sont infectées sexuellement en Guyane. C'est ça mon projet. Le planning familial de Guyane, c'est 45 adhérents, 12 bénévoles opérationnels pour accueillir le public dès lundi. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.